Chers élèves, bonjour. C'est Madame Gladys Bituta, enseignante de CM2. Aujourd'hui, nous allons continuer notre leçon du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Soyez attentifs. À la fin de la leçon, tu dois être capable d'accorder le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Suivez au tableau. Écrivons une phrase. Tati a mangé le pain. J'écris la phrase au tableau. Tati a mangé du pain. Tati a mangé du pain. Bien. Suivez au tableau, nous avons le test au tableau. Et faisons la lecture silencieuse du test. Georges a envoyé quoi? Georges a envoyé la lettre. Suivez maintenant. Nous allons lire le test. L'équipe médicale a reçu les vaccins contre le coronavirus. Elle les a distribués dans les hôpitaux. La lettre que Georges a envoyée de Wando est sur le bureau. Je relis le test. L'équipe médicale a reçu les vaccins contre le coronavirus. Elle les a distribués dans les hôpitaux. La lettre que Georges a envoyée de Wando est sur le bureau. Bien. Suivez au tableau. Nous avons souligné les mots. Il y a des mots soulignés en deux traits. Il y a aussi des mots soulignés en trait. Observez ces mots. Nous avons souligné le mot « lait » en deux traits et distribué en un trait. « Lait » distribué. Lettre. Envoyer. Bien. Là, nous avons les mots soulignés dans le test. L'équipe médicale a reçu les vaccins contre le coronavirus. Elle les a distribués dans les hôpitaux. Nous avons souligné les. L'équipe médicale qui a reçu les vaccins contre le coronavirus, elle les a distribués dans les hôpitaux. Qu'est-ce qui était distribué dans les hôpitaux? Ici, on nous dit lait. Ici, lait est mis pour le vaccin. Ce qu'on a distribué, c'est lait.
Ici, lait prend la place du vaccin. C'est pourquoi on nous dit ici, on a souligné lait en deux traits. Ici, sa fonction, c'est le complément d'objet direct. Ici, lait, c'est le complément d'objet direct. Bien. Qu'est-ce qu'on a distribué? Ce sont les vaccins. C'est pourquoi lait qui est mis pour vaccin devient complément d'objet direct. Nous avons le mot distribué qui était aussi souligné en un trait. Ici, distribué, nous allons donner la nature de distribuer. On nous dit distribuer, c'est le participe passé. C'est un participe. Distribuer est un participe passé. Suivez. Vous allez constater distribuer. Là, on a mis E accent aigu, ES. E accent aigu, S. Pardon. Pourquoi on a mis E accent aigu, S à distribuer? Là, nous avons le complément d'objet direct qui est les. Le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. Il s'accorde en genre et en nombre. Ici, nous avons les qui est mis pour le vaccin, pour les vaccins. Or, ici, on nous dit c'est le vaccin. On dit le vaccin, c'est un mot masculin. Comme il y a l'article « les » qui accompagne « vaccin », « vaccin » est au pluriel. Donc, ici, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct qui est placé avant le participe passé. Donc, ici, « les » qui est mis pour le vaccin, distribuer le participe passé qui vient avant le complément, il s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. Donc, comme le complément ici est au masculin, le participe passé se met aussi au masculin. Ça, c'est le genre. Maintenant, le nombre, c'est le pluriel. Donc, ici, le participe passé aussi se met au pluriel. C'est pourquoi vous allez constater ici, il y a ES, E, accent aigu, mis pour le masculin, et S, mis pour le pluriel. Donc, ici, il y a l'accord. Il y a l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, placé avant le participe passé. Bien. Soulignons maintenant, nous avons souligné l'être. La lettre que Georges a envoyée de Wando est sur le bureau. Là, nous avons souligné lettre en deux traits. En deux traits, pourquoi? Parce que là, nous avons le complément d'objet direct. Là aussi, lettre devient complément d'objet direct. Georges a envoyé quoi? Quand on pose la question « quoi », c'est pour trouver le complément d'objet direct. Donc, ici, Georges a envoyé quoi? Georges a envoyé la lettre. C'est pourquoi on a souligné lettre en deux traits. Donc, ici, lettre, c'est le complément d'objet direct. Pourquoi lettre, complément d'objet direct? Là, nous avons envoyé. Envoyé, c'est le participe passé. Participe, passé. Envoyer, c'est le participe passé. Bien, on dit le participe passé s'accorde ici avec l'être, la lettre. L'être est au
Féminin singulier. Ici, féminin, nous avons mis envoyé avec E accent aigu, E. Pourquoi E accent aigu? Parce que là, envoyé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. Donc, le complément d'objet direct est placé avant le participe passé. Bien, je reprends. Nous avons souligné, on avait dit, on a souligné les compléments d'objets directs en deux traits. Et nous avons souligné les participes passés en un trait. Bien, là nous avons parlé de l'accord. On a parlé de l'accord des participes passés employés avec l'auxiliaire « avoir ». Les participes passés s'accordent en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. Ici, nous avons souligné les comme complément d'objet direct. Pourquoi? Parce que ici, les est mis pour le vaccin. Les est mis pour le vaccin. Donc ici, le participe passé contribué s'accorde avec le complément d'objet direct. La lettre, nous avons souligné lettre et le participe passé envoyé. Lettre, c'est le complément d'objet direct et envoyé, c'est le participe passé. Ici, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct ici, la lettre, lettre. Comme lettre est au féminin singulier, le participe passé aussi se met au féminin singulier. Donnons maintenant le titre de notre leçon. On dira le participe passé c'est l'accord. Accord du participe passé passé employé avec l'auxiliaire avoir. Accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Bien. Alors, qu'est-ce que nous allons retenir maintenant? Lorsque le complément d'objet direct est placé avant le verbe, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. Bien, donc nous allons écrire « Lorsque le complément d'objet direct d'objet direct est placé avant le verbe. Le verbe, le participe passé,
S'accord. En genre et en nombre. Et en nombre. Avec le complément d'objet direct. Avec le complément bien, exemple. Exemple, Jean avait des étiquettes. Il les a lues. Jean avait des étiquettes. Jean avait des étiquettes. Il les a lues. Bien. Jean avait des étiquettes. Il les a lues. Ici, nous avons les. Jean avait quoi? Jean avait des étiquettes. Il les a lues. Il a lu quoi? Il a lu les. Il a lu les. Ici, les, c'est le complément d'objet direct. Ici, les, ce complément-là, est mis pour étiquette. Lu. Ici, nous avons le participe. Passé. Lu, c'est le participe passé. Ici, le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Là, nous avons le verbe. Le verbe avoir. Donc, ici, le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Et le participe passé. Là, à partir du complément d'objet direct, ici, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. Et vous allez constater, nous avons mis S à lu. Nous avons mis S. Pourquoi? Parce que nous avons le complément d'objet direct qui est au pluriel. Donc, ici, on dit des étiquettes. Des étiquettes. Nous avons beaucoup d'étiquettes. Donc, étiquette, ça prend S à la fin, au pluriel. Le nombre pluriel. C'est pourquoi il les a lus. Lus prend ES, le participe passé. Il s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. Et il est. Il s'accorde parce que, ici, le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Bien, donc, nous allons lire la leçon qui est au tableau. Orthographe grammaticale, accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Je retiens, lorsque le complément d'objet direct est placé avant le verbe, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. Exemple, Jean avait des étiquettes. Il les a lues. Bien. Suivez au tableau.
Nous avons un exercice au tableau. Je vais lire l'exercice. Accorde le participe passé des verbes entre parenthèses. Les vaccins que la pharmacie a commandés sont arrivés. Le cours de midi, je l'ai préparé. Ici, on nous dit d'accorder les verbes entre parenthèses. Ici, le verbe entre parenthèses, c'est le verbe commander. Le verbe commander. Là, nous mettons le participe passé. Commander, c'est le participe passé. Les vaccins que la pharmacie a commandés sont arrivés. La pharmacie a commandé quoi? La pharmacie a commandé les vaccins. Ici, vaccin, c'est le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct ici est placé avant le verbe. Ici, le verbe, c'est « a ». « a », ici, c'est le verbe « avoir ». Commander, le participe passé. Là, on peut accorder le participe passé avec le mot, avec le complément d'objet direct « vaccin ». Donc, ici, comme le vaccin est au masculin pluriel. Donc, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct. Donc, le participe aussi se met au masculin pluriel. Donc, on ajoute S. Le cours de midi, je l'ai préparé. Là aussi, nous avons le verbe entre parenthèses. Le verbe préparer. On enlève l'infinitif R et on ajoute l'accent, le participe passé. Donc ici, préparer, c'est le participe passé. Les cours de midi, je l'ai préparé. J'ai préparé quoi? Nous avons préparé elle. C'est elle ici qui est préparée. Ici, elle est mis pour le cours. Donc, elle ici devient complément d'objet direct. Et ce complément d'objet direct est placé avant le verbe. Quand le complément d'objet direct est placé avant le verbe, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. Donc ici, le participe passé préparé s'accorde avec le complément d'objet direct. Donc ici, le participe passé, comme le complément d'objet est au masculin singulier, donc le participe passé aussi se met au masculin singulier. Bien. Suivez. Nous avons maintenant l'exercice, un autre exercice au tableau. On dit « Accorde les participes passés des verbes soulignés dans les phrases suivantes. Les préservatifs que l'infirmier a apportés ont été distribués. Malonga avait peu de mangue. Il les avait déjà mangés. Lys a écouté les conseils du maître. Elle les a respectés. La parcelle que Julien a achetée est près du goudron. » Je relis l'exercice pour une deuxième fois. Accorde les participes passés des verbes soulignés dans les phrases suivantes.
Le préservatif que l'infirmier a apporté ont été distribués. Malonga avait peu de mangues. Il les avait déjà mangées. Lise a écouté les conseils du maître et les a respectés. La parcelle de Julien a acheté et prêt. Excusez-moi. La parcelle que Julien a achetée est près du goudron. Suivez depuis la maison. Ici, on vous dit de d'accorder les participes passés des verbes soulignés. Là, au tableau, nous avons souligné les verbes apporter, manger, respecter, acheter. Bien, ce que vous allez faire, vous allez maintenant accorder les participes passés. Apporter, manger, respecter, acheter. Avant d'accorder ces participes passés, vous devrez d'abord relire la règle. Parce que ici, on nous dit le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct. Et c'est quand le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Bien. Notre leçon du jour d'aujourd'hui s'arrête par là. Et faites le devoir. Et on reviendra un autre jour pour la correction. Au revoir.